Il y a cette colère, la colère sociale, la colère du monde du travail face à une réforme injuste, elle est toujours aussi puissante et elle se manifeste aujourd'hui de façon encore plus puissante dans la rue. Moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation qui est historique au regard des 40 ou 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées.